Vous êtes sur RTL. Et 2 heures d'infos commencent avec RTL Soir et vous, Vincent Parisot. Et oui, heureux de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc RTL Soir, c'est parti jusqu'à 20h. Avec à la une, 1 600 000 personnes. 1 600 000 fumeurs quotidiens en moins en France depuis 2016. Chiffre arrêté d'ailleurs l'été dernier et divulgué aujourd'hui par le gouvernement à l'occasion d'un comité interministériel sur la santé. La politique du paquet cher fait-elle ses preuves? Faut-il crier victoire? Ce chiffre est-il vraiment fiable? Et quelle incidence sur la mortalité par cancer? On va en parler tout à l'heure sur RTL avec le professeur Bertrand Dotzenberg, le secrétaire général d'Alliance contre le tabac. Il est l'invité d'RTL Soir. Rendez-vous à 18h20. RTL Soir, première édition. C'est avec vous, Isabelle Choquet. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. Et les autres titres? Grosse pagaille ce lundi sur les lignes SNCF entre Paris et le Sud-Ouest. En cause, une manifestation des salariés d'Arjowiggins qui sauront demain si leur usine est condamnée à la fermeture. Grosse pagaille aussi au Mans. Bataille rangée dans le centre-ville entre les forains et les policiers. Les forains qui ne veulent pas installer leur manège en périphérie comme le souhaite la mairie. Quand on est fragile, on ne manifeste pas dans des lieux interdits. Petite phrase polémique d'Emmanuel Macron après la chute d'une militante altermondialiste de 73 ans samedi à Nice. Elle porte plainte contre les policiers pour violence. À suivre également les petites arnaques des pompes funèbres révélées par la répression des fraudes. Le président chinois à Paris, dîner de gala ce soir à l'Elysée avec Alain Delon et Hélène sans les garçons. Et puis France Islande ce soir en match de qualification pour l'Euro. Interview exclusive sur RTL du patron de la fédération, Noël Le Graët. La bourse de Paris, elle finit en légère baisse ce soir de 0,18% à 5 260 points. À la fin de votre journal, Isabelle Choquet, ce sera la question qui vous permet de comprendre l'actualité. On vous dira tout sur la recherche d'ADN élargie qui a permis notamment l'arrestation après 7 ans d'enquête d'un violeur en série à Nantes. Puis direction les coulisses de l'actu, on vous emmènera en coulisses des 100 ans de la FFF, la Fédération Française de Football, à l'occasion ce soir du match face à l'Islande dans l'éliminatoire de l'Euro. À 18h30, Alain Duhamel, ce soir l'entrée en piste de Nathalie Loiseau pour les élections européennes. À 18h35, une vie de cheminot. On recevra Léon Cornet qui raconte dans son premier roman, Sortie de rail, le parcours et le quotidien très surprenant et plutôt inquiétant de ces hommes de l'ombre et de leurs conditions de travail. Et puis à 19h15, comme chaque soir sur RTL, on refera le monde. La météo, Louis Baudin. Bonsoir Vincent. Bonsoir Louis. Demain, vous nous annoncez encore des nuages et toujours un peu de fraîcheur. Oui, des nuages, surtout dans les régions de l'Est, un peu comme aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça circulera principalement entre le centre et le nord-est. L'après-midi, ça sera plutôt d'ailleurs tout près des frontières du nord-est, parce que globalement quand même, nous resterons sous l'influence de l'anticyclone, donc avec du temps sec et de très belles éclaircies. Alors beaucoup de soleil près de l'Atlantique ou encore dans le sud. Ça sera même souvent du ciel tout bleu, avec encore du Mistral et de la Tramontane autour du golfe du Lion. Attention, reprise de l'activité en Corse avec de la pluie ou encore de la neige en montagne. Le tout avec une certaine fraîcheur. C'est vrai que demain matin, on retrouvera encore des gelées là où le ciel sera dégagé durant la nuit. On peut d'ailleurs faire l'exercice. Il y a des étoiles en se couchant, ça gèlera le matin. Et puis l'après-midi, 10 à 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 18 dans le sud. Bon, on peut regarder les étoiles avant de se coucher. Exactement. C'est toujours un beau spectacle. Merci Louis, à tout à l'heure. RTL Soir. Allez, sans attendre, on file Garmont-Parnasse à Paris car le trafic est très perturbé dans les deux sens entre la capitale et le sud-ouest. Oui, la SNCF n'est pas en cause. Ce sont les salariés du papetier Arjowiggins qui ont manifesté ce matin à la gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher car leur usine est menacée de liquidation judiciaire. 1 000 000 d'emplois sont en jeu et tout doit se décider demain au tribunal de commerce de Nanterre. Gauthier Delambugard, vous êtes à Montparnasse pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Le trafic a été interrompu plusieurs heures et la reprise est très compliquée. Effectivement, sur les écrans de télé au fond vert des arrivées, il est indiqué entre 4 et 5 heures de retard pour la plupart des TGV qui relient le sud-ouest à la capitale. Voie 9, par exemple, c'est le record de la journée. Il a fallu plus de 9 heures à ces Toulousains pour arriver à Paris. Les paniers repas distribués dans les voitures n'ont pas suffi à calmer les esprits. La plupart des voyageurs s'agacent, râlent, soufflent au bout du quai. Le périple de Claudine vers la Normandie n'est pas terminé. Mais disons qu'il a fallu qu'on reprenne notre mal en patience, hein, parce qu'on n'a pas le choix. C'est horrible parce que moi je vais rentrer chez moi ce soir à 11h30 au lieu de 13h50 sur Granville. J'ai passé la journée dans le train quoi, finalement. C'est au gouvernement qu'il faut s'adresser, aux responsables, aux placés. Et pas aux gens qui prennent le train à Toulouse. Mais voilà. Plus de problème en revanche pour les voyageurs qui veulent rentrer à Bordeaux ou Toulouse. Le seul bémol, c'est pour aller au Mans avec les manifestations des forains qui bloquent une partie des voies. Alix se demande comment rentrer pour retrouver ses enfants. Là, le trafic est interrompu. Voilà. Je dois rentrer au Mans, oui. Et comment on va faire?
Eh bien, j'en sais rien. Moi, je vais attendre et puis, sinon, je resterai là cette nuit. La SNCF promet un retour à la normale dès ce soir et un dédommagement est prévu pour les voyageurs impactés. Gauthier Delon-Bugard en direct de la gare Montparnasse pour RTL. Décidément, c'est une journée bien compliquée, en tout cas pour les usagers de la SNCF, parce qu'il y a aussi des perturbations du côté du Mans. Oui, Gauthier en parlait à l'instant, bien au-delà des voies ferroviaires d'ailleurs. Ce sont les forains qui se mobilisent depuis quelques jours pour dénoncer une décision de la mairie. Elles souhaitent qu'ils installent leur manège à la périphérie de la ville et plus dans le centre. Ce matin, ils étaient plusieurs centaines sur l'une des grandes places du Mans. Christian Panvert, vous êtes sur place pour RTL. La situation a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Oui, la confrontation a une nouvelle fois été très violente cet après-midi. Au moment où je vous parle, forains et forces de l'ordre se font face, place des Jacobins. La tension est palpable. Norman Brouche, le président national du syndicat des forains, l'assure, ils ne lâcheront rien. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se battre pour travailler? Il y en a, ils ne travaillent jamais de leur vie, on leur donne plein d'argent. Et nous, on veut juste travailler. Et on nous empêche. Vous êtes prêt à tenir jusqu'à quand? Aller jusqu'où là? Jusqu'à temps qu'on aura gagné. C'est comme ça, c'est la vie. Parce que si on accepte ça, l'autre il va le faire à côté, l'autre il va le faire à côté. C'est dur, c'est dangereux. Malheureusement, pour sauver notre pays, il y a eu des morts. Hein, on veut nous empêcher de travailler, mais il y aura des morts s'il faut. Là. Dans l'après-midi, du mobilier urbain a été arraché et jeté sur les chaussées. Le trafic des bus est du coup perturbé en centre-ville. Les manifestants ont aussi protesté sur les voies SNCF. Un forain a été blessé au pied par un tir de grenade assourdissante. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, tient actuellement une conférence de presse à la mairie. Il devrait faire quelques propositions. Christian Panvert, au Mans, pour RTL. Un accord de financement de 120 millions d'euros a été conclu aujourd'hui pour sauver le groupe Verrier Arc International qui était en difficulté depuis plusieurs années. Il aura fallu 4 mois de négociations entre les pouvoirs publics et les partenaires du groupe basé dans le Pas-de-Calais. Encore une petite phrase présidentielle qui apparemment passe mal. Emmanuel Macron fait polémique avec sa déclaration sur la manifestante blessée à Nice. La militante altermondialiste de 73 ans défilée samedi à Nice à l'occasion de l'acte 19 des Gilets jaunes. Manifestation interdite par la préfecture. Elle a fait une lourde chute lors d'une charge des forces de l'ordre. Ce matin, le président de la République lui a souhaité un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse, a-t-il dit, avec au passage une petite leçon. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. De son côté, l'avocate Geneviève Leguet a déposé plainte contre les policiers pour violence en réunion. Le procureur de Nice vient de faire le point, Michael Lefebvre. Oui, le procureur de la République de Nice, après examen des images de caméras de vidéosurveillance de la ville et des journalistes présent samedi vient d'indiquer que Geneviève Leguet n'était pas tombée toute seule mais qu'elle avait été poussée. Une chute qui est intervenue lors de la charge des policiers pour disperser les manifestants aux abords de la place Garibaldi, mais une chute qui n'a pas été causée directement par les forces de l'ordre. Jean-Michel Prêtre, procureur de la République de Nice. Ce qu'il y avait derrière elle, il y avait au moins 3 personnes qui n'étaient pas des forces de sécurité. Visiblement un journaliste équipé d'une caméra qui était en train de filmer les gendarmes mobiles qui arrivaient vers lui, une autre manifestante qui avait un gilet jaune et puis une autre personne qui a une espèce de casquette marron. Et toutes ces personnes se tenaient dans un endroit excessivement proche des forces de sécurité. Le procureur a également confirmé que cette dispersion policière est intervenue à l'intérieur du périmètre interdit à toute manifestation et qu'elle était intervenue après plusieurs sommations que Geneviève dit ne pas avoir entendues concernant l'état de santé de la septuagénaire. Il est aujourd'hui en nette amélioration. Michael Lefebvre, le correspondant d'RTL à Nice. La ministre des Affaires européennes doit démissionner aujourd'hui pour mener la campagne des européennes pour la majorité. L'écologiste Pascal Canfin, pressenti comme numéro 2, vient d'annoncer sa démission de l'association WWF. Oui, on y reviendra avec Alain Duhamel tout à l'heure à 18h30. On marque une courte pause et dans un instant, le chiffre du jour, 1 600 000 fumeurs quotidiens en moins en France. À tout de suite. RTL Soir, il est 18h09. RTL Soir. 18h10, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Sans aucun doute donc, c'est le chiffre du jour, 1 600 000. On compte aujourd'hui en France 1 600 000 fumeurs de moins qu'en 2016. 1 600 000 fumeurs quotidiens, c'est énorme. Matignon l'a annoncé ce matin avant un comité interministériel consacré à la santé, comité auquel vous assistez, Odile Pouget, bonsoir. Bonsoir. Il y a bien sûr plusieurs explications, mais les hausses de prix y sont pour beaucoup. Oui, une hausse régulière des prix pour aboutir à un paquet à 10 euros à l'horizon 2020. Et en effet, c'est sur les populations les plus précaires, celles des non-diplômés, que cette augmentation a le plus d'impact. En 2017,
plus de 36% de fumeurs quotidiens dans cette catégorie. En 2018, il n'était plus que 29,5%. Alors on connaîtra plus précisément le profil de ceux qui ont décroché fin mai à l'occasion de la journée sans tabac. De bons chiffres en tout cas, dus aussi, selon le gouvernement, à l'arrivée du paquet neutre chez les buralistes il y a 2 ans, un paquet beaucoup moins attrayant, et puis au remboursement des substituts nicotiniques par l'assurance maladie comme n'importe quel médicament. 18% de ceux qui arrêtent de fumer y ont recours. Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. Et on va y revenir avec le professeur Dotzenberg dans quelques minutes. Les pompes funèbres abusent, hein, c'est ce que révèle le rapport annuel de la DGCCRF. Oui, la répression des fraudes qui a effectué des contrôles dans près de 600 établissements l'an dernier. Résultat, les 2/3 présentent des anomalies, des devis surgonflés, de la vente forcée. En clair, Armel Lévy, certains agents profitent tout simplement de la vulnérabilité de leurs clients dans ce moment très particulier. Oui, et pourtant, depuis 20 ans, un devis type a été imposé au secteur funéraire dans le but de protéger les familles endeuillées. Non seulement ces devis ne sont pas toujours présentés, mais quand ils le sont, les prix et les services restent opaques. Et le pire, la fraude la plus fréquente, c'est d'inclure dans le devis des prestations funéraires obligatoires alors qu'elles ne le sont pas, comme certains soins donnés aux défunts par exemple. Virginie Beaumenier, la directrice de la répression des fraudes, a épinglé tous ces abus et elle veut faire en sorte que cela change. Ça peut être un devis qui ne comprend pas toutes les mentions nécessaires, ça peut être éventuellement des prestations qui sont facturées car présentées comme obligatoires alors qu'elles ne le sont pas. Donc c'est pour ça que nous allons essayer d'améliorer le devis type pour que le consommateur n'ait pas à se poser trop de questions dans ce moment difficile et donc il ait la bonne information et qu'il ne paye que les prestations dont il a vraiment besoin. Il faut compter aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 euros pour un enterrement ou une crémation et les familles doivent pouvoir comparer facilement tous les devis sans être trompées. Merci Armel Lévy, spécialiste consommation d'RTL. Allez Isabelle, on file maintenant à l'Elysée où Emmanuel Macron s'entretient en ce moment avec Xi Jinping. Le président chinois est arrivé à Paris à la mi-journée, accueilli par son homologue sous l'Arc de Triomphe pour un hommage aux soldats inconnus. Au menu de leur discussion, les fameuses routes de la soie, investissement tous azimuts de Pékin en Europe et cela inquiète un peu Paris. Les deux chefs d'État s'expriment depuis quelques minutes avant un dîner de gala au palais présidentiel et il y aura du people, Brice Dugénie. Oui, le président chinois est arrivé au palais de l'Elysée avec les honneurs militaires. Après une marche sur le long tapis rouge dans la cour, il a été accueilli par Emmanuel Macron, longue poignée de main, pour permettre aux très nombreux journalistes chinois et européens d'immortaliser cette deuxième visite d'État du président chinois à Paris. Alors à l'issue de la séquence politique qui se déroule en ce moment même, avec des prises de parole et la signature de contrat, Xi Jinping quittera l'Elysée avant de revenir à 20h cette fois-ci pour le dîner d'État. Les tables sont d'ailleurs déjà dressées, nappes blanches, bouquets de roses en leur centre. Elles attendent les 200 invités, parmi lesquels des hommes politiques, Jean-Pierre Raffarin, Jack Lang, Laurent Fabius, mais aussi de nombreux PDG comme Bernard Arnault. Tony Estanguet, ancien champion olympique, qui porte l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, sera également présent. Et puis il y aura des personnalités du monde de la culture, du spectacle, en tête Alain Delon, image iconique en Asie, Jean-Michel Jarre ou encore l'actrice chanteuse Hélène Rollès, héroïne dans les années 90 de la série Hélène et les garçons. 4 chefs ont été choisis pour assurer le menu, mais impossible pour l'instant de le connaître. Brice Dugénie à l'Elysée pour RTL. Et puis on vient de l'apprendre, la compagnie China Aviation doit passer une méga commande de 290 Airbus A320 et 10 A350. Il est aussi question d'un contrat de 10 navires de 15 000 containers pour la CMA-CGM. Allez, chaussez vos crampons Isabelle. L'équipe de France de foot entre dans le dur ce soir face à l'Islande. Une nouvelle étape dans la route vers l'Euro 2020 après une victoire facile face à la Moldavie. Cette fois, l'adversaire est un peu plus coriace. L'Euro 2020, c'est l'horizon de Didier Deschamps, la fin de son contrat. Ensuite, il a fait savoir ces jours-ci qu'il ne serait pas contre une prolongation jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Réponse du patron de la fédération, Noël Le Graët, en exclusivité pour RTL. Je ne l'ai pas encore rencontré pour en parler, mais ce n'est pas mon habitude. Je ne sais pas si vous avez regardé comment je fais jusqu'à présent. Il y a les qualifs et après il y a la compétition. Avant la compétition, je sécurise, mais jamais avant. S'il allait jusqu'à la Coupe du Monde 2022, ça ferait 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez à l'abri d'une usure avec ce poste? Il adore l'équipe de France. Il remplit sa fonction avec talent. Je sais qu'il a plutôt envie de continuer pour répondre à votre question. Mais chacun doit rester à sa place. Moi, j'ai des envies aussi de travailler avec lui. Mais le football est quelque chose de pas toujours palpable. On a besoin de résultats. Il faut se qualifier. Il n'y a pas d'autres critères. On ne vous a pas vu en Moldavie. C'est une question un petit peu plus personnelle. Mais tout simplement, comment allez-vous? Bon, très bien. Très franchement, j'ai une période un petit peu difficile. Mais là, je me sens en forme pour continuer ma mission, la mission que j'adore.
Noël Le Graët au micro RTL de Nicolas Georgerot. Intégralité de cette interview exclusive à retrouver à 20h sur RTL. France-Islande à 20h45 à vivre jusqu'à 23h. Allez, avec Vicente Lizarazu et aussi sur M6. On a la soirée évidemment pour ça. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 18h30. Pour le rappel des titres, à tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL soir, 18h16. Et maintenant les clés pour bien comprendre l'actualité. Vous le savez sans doute, à Nantes, un violeur en série a été arrêté après 7 ans d'enquête. Grâce à l'abnégation d'un policier, l'ADN du suspect avait été retrouvé, mais voilà, il n'était répertorié dans aucun fichier. Et c'est finalement une recherche de parenté, une recherche élargie dans le fichier national des ADN qui va finalement mettre les enquêteurs sur la bonne piste. Bonsoir Olivier Bois. Bonsoir. Dites-nous comment se déroule une recherche ADN. Alors d'abord, ça se joue sur la scène de crime pour prélever l'ADN. Si vous avez des cheveux ou des poils oubliés, l'enquêteur les récupère pour analyse. Si vous avez des traces de sang, des traces de sperme ou des traces de sueur, là l'enquêteur prélève grâce à une sorte de coton-tige pour tenter là encore de sortir un ADN. Et puis ensuite, eh bien, vous avez deux possibilités. La plus évidente, l'ADN que vous avez correspond à l'une des 3 millions de personnes aujourd'hui enregistrées dans le fichier national des empreintes génétiques. Soit l'ADN est inconnu et là, il faut faire effectivement des recherches beaucoup plus complexes. Oui, des recherches sur la famille, hein, c'est ça Olivier, c'est ce qui s'est passé dans cette enquête à Nantes. Oui, une recherche en parentalité. À Nantes, l'ADN a été rentré dans la machine qui a sorti 743 profils génétiques qui pouvaient y ressembler. Et c'est ensuite un énorme travail. L'enquêteur écarte les profils qui ne peuvent pas correspondre à l'affaire. Et puis, il a fini par isoler l'ADN d'une personne qui avait dans son entourage familial un homme qui correspondait pour le coup au suspect, ce qui a ensuite été confirmé. L'ADN élargi. Donc merci beaucoup de ces explications. Monsieur Bois, Olivier Bois, du service police-justice d'RTL. Allez, une courte pause et dans un instant, le professeur Dunzenberg. 1 600 000 fumeurs quotidiens en moins depuis 2016. Ça se fête ? On va lui demander. 18h18, RTL soir.